Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 17ème épisode de notre Let's Play sur Mario Galaxy sur Wii. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes toujours dans le dôme de la chambre, hashtag chambre si vous regardez dans votre chambre au passage, et on avait d'une part terminé la galaxie des épreuves et obtenu deux nouvelles étoiles dans l'île sablonneuse. Aujourd'hui je pense qu'on va la terminer, puis on va aller dire coucou à Bowser et peut-être voir quel est ce nouveau dôme avant de commencer. Je rappelle que Pomicel, l'élément épique, il est fail avec les hashtags associés. Hashtag épique PIC, hashtag fail et fail, plus ou moins exact que vous rajouter à la compile. Sans plus tarder, eh ben je pense qu'on va aller voir quelle est cette étoile secrète. Alors je me suis un petit peu renseigné dessus pour ne pas qu'on perde trop de temps. Donc apparemment elle est dans l'épisode 3, le traquenard du désert. Donc là je pense qu'on va y aller en mode speedrun jusqu'à l'endroit concerné. Savoir, vous savez, il y avait une petite planète où il y avait un gros cactus. On a pété, bah c'est là qu'il faut faire quelque chose. La 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 la. Il y a le champion rouge ici. On va le prendre. J'ai loupé le champion rouge, joli. GG moi. Allez, donc c'est pas cette planète là. Ça doit être... En fait, voilà, faut qu'on aille sur la planète qui est sur notre gauche là. Tout simplement. Est-ce que je vais essayer de sniper le coffre. Non, le coffre est de ce côté-là. Voilà, comme ça, le plus chiant est fait. Donc ensuite, on en a une en bas à ce niveau-là, je crois. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est des fragments d'étoiles. On va y aller donc en wall jump là. Bon, je prends une dans le wall jump, hop. Et il y a toujours celle qui est sur le petit rebord en haut. Et le petit rebord en haut est juste ici. Parfait. Hop. Excellent. On va juste faire un petit, voilà, un petit tournement pour assurer le coup. Hop là. Et est-ce qu'on va arriver sur la planète en question? Oui! Parce que voilà, vous venez de voir le bout de bois qui est là. En fait, ben, c'est un interrupteur. Non? Tu veux pas? Non, ça c'est pas ce que je veux, ça. Est-ce que tu peux réapparaître, petit machin? Tiens, attends. Aïe, fichtre. On va les dégager. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à attendre? Pas quelque chose à faire là? Attends, est-ce que je peux pas péter le crabe? Ah, le v'là. Voilà, c'est ça qu'il faut activer. Parce que voilà, ça fait des notes. On va suivre les notes. Et normalement, suivant les notes, il doit se passer quelque chose. Voilà, on a un autre anneau étoile qui apparaît. Et on part vers cette planète-là. Voilà, parce que maintenant, on a des billes-balles. Il va falloir qu'ils pètent des trucs pour nous, les billes-balles. Et les billes-balles. Eh, petit bilbal. Petit bilbal. Voilà. Vous voyez qu'il y a des trucs pour nous. Oh, regardez-moi tout ça. Alors par contre, j'aimerais savoir comment tu montes, là. Hein. Parce que les bilbal, ils sont un petit peu hauts. Je peux avoir un bilbal? Y'a pas un moyen de monter? Oh, je crois qu'il faut faire redescendre la tour pour... Ah, ok, je pense qu'il faut monter et descendre la tour. Pour que les big balles arrivent. Le problème, voilà, c'est qu'il faut les balader suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de réactiver la tour et de faire péter ce qu'il faut. Et en plus, quand tu vois la quantité assez astronomique de Skellerex. Hey, je peux avoir un big ball? 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 Oh, je peux avoir un big ball? C'est trop demandé ou quoi? Merci.
donc, alors je sais pas où va popper l'étoile. Ok. Mais le gars, putain! Vous êtes vraiment des boulets! Ok, elle apparaît ici. Putain, vous êtes vraiment des boulets, vous arrivez à vous télescoper, vous êtes vraiment une bande de cons! Vous êtes vraiment une bande de pimpons, sérieux! Pas possible de faire autant... Ouais, bouge! C'est pas possible de faire autant de merde! C'est sérieusement pas possible de faire autant de merde, quoi! Alors évidemment, c'était ici qu'il allait popper. En plus, il faut les tenir. En plus, il faut les tenir longtemps, ces saloperies, quoi. Il faut les tenir longtemps, en plus. Hein. Eh ben, je crois qu'on... Heureusement, j'espère que le checkpoint est ici. Bah, c'est là que le... Oui, bah non, là, même pas en rêve, là. En plus, il te met bien 12 Skellerex pour te faire chier. Allez. Plus voilà. Ah, mais putain, mais quel boulet! Fais chier, la merde! Quel boulet! Allez, sors, petit bilbal. J'attends que ça. Eh oh! Faut qu'il reprenne de la hauteur le temps que l'étoile apparaisse. Voilà. Oh, reviens. Reviens ici. Mais... Oh, putain! Mais ça me gonfle! Elle va me gonfler cette étoile. Elle va me gonfler cette étoile, moi je vous le dis. Donne-moi tout ça. Donne-moi une vie. Voilà. Donne-moi un putain de bilbal. Eh, voilà, viens ici. Viens ici, petit bilbal. Oh, mais elle était sortie, monsieur l'arbitre, y'a faute. Y'a faute, monsieur l'arbitre. Attends. Il y a une certaine, je pense qu'il y a une certaine hauteur auquel ça peut, à laquelle ça peut marcher, mais... Il faut les tenir, quoi. Allez, amène-moi un bilbal. Voilà, 1, 2, 3, 2, 1. Parce qu'il faut sauter en plus. Mais non! Putain! Normalement, une étoile de merde! Putain! Elle va me gonfler cette étoile, je vous le dis. Hein. Bah non. Prends-toi le truc, voilà. Vous avez pas vraiment besoin de mettre tout ce qu'est les règles, ça, les gars. Hein. Hop. 1, 2. 2. Mais caméra! Oui! Ah, il faut monter en plus. Oh punaise, non. Là, ça sent le gros traquenard. Ah, attends. Donne les piécettes à tonton Mario. Voilà. Et maintenant, donne l'étoile. Grimpe, donne l'étoile. Voilà! Cette étoile m'a pété les testis noisettes. Ah sérieusement, cette étoile, mais c'était une fosse sceptique tellement il y avait de merde. Mais bon, on l'a. Bon, comète ou pas comète, que je sache si j'aille tataner le pimpon à Bowser. Comète rouge, c'est le speedrun, je crois.
Ok, on va se farcir une étoile en speedrun, mesdames et messieurs. Et après ça, plus rien ne nous retiendra pour aller tataner le pimpon à Bowser. Sablement... Ouh, d'accord. On va se marrer. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs les gens, on va se fendre la poire. Ok, ah ouais, on a combien de temps? Je pense que je vais vraiment y aller en mode... YOLO! Allez, 4 minutes, je pense. 4:30, ok. Bah, allons-y. Hop, 2. 3, 4. 5. Allez, maintenant, il faut qu'on se fasse le Poki vite fait. Hé, Poki, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, viens ici. 1. 2. Ah, déjà entre l'autre truc avec les big balles qui font de la merde là maintenant, si le Poki est pas coopératif, non mais oh! À un moment donné, faut arrêter les. Ce n'est pas drôle! Ah, pas pour moi en tout cas. Je pense que vous, devant votre écran, vous êtes en train de bien vous foutre de ma gueule. Allez, venez là. Un coup. Boum! Allez, là! Bon! Attends, viens ici, espèce de petit con. Un. Deux. Mais. Trois. Voilà! Allez, on se casse! Bon, là, par contre, je m'embête pas avec les autres trucs, hein. Allez, sors de là, Mario, sors de là. Puis en plus, voilà, le champi à 6 points de vie était remplacé par une vie. Allez. Donc on chope ce truc-là au passage, voilà, ça aussi. Hop. Ah oui, c'est là qu'on va se marrer, allez. Donc il y a ça. Faut oublier de choper la carapace en chemin. Alors, non, le 2 est là, mince. Le 3 est là, le 3 est là. Ok, alors, faut qu'on m'explique où je les ai chopés, ceux-là. Attends, il y a le carapace. Voilà. Alors, où y a-t-il un coffre? Je me souviens plus. On va suivre le... Ah, je l'ai encore loupé. Ici, voilà. 3. Voilà, le 4 est là-bas. Et le 5, faut qu'on refasse le truc côté 3 minutes, faut vraiment, vraiment pas traîner. Allez. Voilà. Ok, là maintenant on doit voir les étoiles qu'on prend. Allez, on s'accroche. Bah écoutez, on va partir de ce côté-là. Caméra 2, s'il vous plaît. Non, dans l'autre sens, au moins. Eh oh, oh, caméra. Caméra 2. Je peux avoir une caméra qui coopère, ouais. Ah, et en plus, il faut vraiment... comme ça. Tranquille, pas besoin... Enfin, on est pressé par le temps, mais... On va pas faire n'importe quoi. 2-20, est-ce qu'on arrive sur la dernière planète? Ok, 2-20 pour finir. C'est gérable. Regardez-moi tous ces petits fragments d'étoiles, dis donc. Oh, c'est beau. Ah, il n'y a pas les tornades cette fois. Ok, donc on peut gérer peut-être un peu plus sereinement sans les tornades. Faut me dire, je pense qu'ils ont dû se dire que la pression du temps suffisait. Encore une fois, si la caméra pouvait éviter de tourner pendant que je fais mon saut, ça me permettrait de bien ajuster l'atterrissage, quoi. Ok, allez. Ok, bah de toute façon, il faut d'abord qu'on passe par le côté... Eh, doucement. Ok, bon, ça va. Après, on aura le temps limité. Ça devrait être gérable. Et après ça, on aura fini cette galaxie. Alors, par contre, je vous avoue que je sais pas combien de temps je vais retirer au montage à cause de la... À cause du fail des bilbages. Je dirais qu'on est autour de 14-15 minutes, un truc comme ça. Autant dire qu'il nous reste encore une bonne dizaine de minutes dans cet épisode. De quoi aller, au hasard,
tataner Bowser. 3. Allez. Et c'est réglé. Et avec ça, normalement, notre galaxie... On n'a plus que le monde de Bowser à faire. Et ça, c'est bien. Phew. Allez, direction. Oh, tu bouges. Ouais, j'espère que... Bon, elle devrait tenir jusqu'à la fin de l'épisode, je pense. Et après, je crois que je vais en mettre des neuves. Et si on regarde... Ouais, on a fini. Direction l'usine de matière noire. Allez, on va aller tataner le pimpon de Bowser. Non, parce que c'est vraiment qu'un pimpon, il faut qu'on aille le tataner. La fin des ambitions du roi maléfique. Ouais, il en a encore, doute, t'inquiète. Ouh, je sens qu'on va se marrer. Enfin, plutôt vous que moi. Moi, je sens que je vais rager. Bonjour, petit Luma. Ici aussi, c'est truffé de pièges. Fais attention à la gravité sur ton chemin. Ouais. Hop, 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 hop. Voilà. Ça évite de faire ce genre de conneries. Hein, finalement. Évidemment. Tout va bien. Au moins, dites-vous qu'on alimente la compile des fails en faisant ça. Ah là, rien que sur un seul lettre, il va avoir sacré matière. Hein. Bon, le Skellerex, tu es moche. Ah non, j'ai déjà dit que les Skellerex étaient cool, mais on dit qu'ils sont moches juste parce que c'est des ennemis. Ok, alors... ah oui. Comme ça, oui, parce que voilà, en plus la gravité change en plein milieu. Donc hop, on passe comme ça. Dans l'autre sens, hop. Comme ça pour atterrir sur la plateforme. Hop, comme ça. Ah, comme ça, là, normalement, quand ça passera en gravité vers le bas, on peut... Ça va être comme il faut, voilà, je prends ça. Et en plus, on évite les trous noirs. Non, les Goombas, vous allez vous faire en papa. Et... Oh, bonjour petit... Ah, d'accord, il y a du vide. Bonjour petit Luma. À cause de la matière noire, il y a des trous un peu partout. Fais attention aux trous qui peuvent apparaître brusquement sur ton chemin. Ok, ah oui, effectivement. Moi, ça va, ils sont relatifs. On peut bien les discerner. Hop. Hop, doucement. Encore une fois... Ne se presse pas inutilement. Sinon, la compile des fails va faire une heure. Enfin, je dis ça, mais... Je vous vois venir, les gens. Si je vous dis compile des fails une heure, vous allez faire « Oh oui, oh oui, oh oui !» Enfin, un truc comme ça. Bon, ça va. Au moins, on n'a pas le premier labyrinthe gravitationnel à faire. On va attendre que ça revienne en mode tranquille ou pouette-pouette. Voilà, hop. Ah, c'est quand même risqué, hein. Quand même risqué ici. Alors, on passe entre les deux. Ça. Comme ça, puis comme ça. Et est-ce qu'on peut atteindre une plateforme comme ça? Ouais, c'est bon. Ok, donc il va falloir maintenant qu'on esquive les gros trous. Petite de ta sextape. Ok, ah, il y a une vie en plein milieu là. Hop, et ici. Viens voir papa. Elle est toujours la bienvenue, c'est dit. Alors, ok, qu'est-ce que... Oh! D'accord. Doucement. Attends, peut-être qu'en partant d'ici plutôt, non? Ouais, ouais, faut partir de là. Non, fais un backflip, non, un backflip! D'accord, je devais être trop près du mur pour qu'il fasse un backflip. Espérons juste que le petit peu de pile de ma Wiimote tienne. Ok, là on est bon. Là on est mieux. Parce que bon, j'aurais pas dire, vu ce qu'il y a là, on va peut-être éviter de faire nawak avec la gravité. Ok, on change et on passe sur l'espèce de croix. Et on se met comme ceci. Hop, 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 ne jouons pas. Ah oui, et puis après, il faut passer en dessous. Du coup, ça veut dire... Il faut que je passe... Comme ceci. C'est après parce que la gravité va nous mettre vers le haut, donc on sera dans le bon chemin. Après, la gravité vers la gauche. Donc, il faut qu'on passe de l'autre côté. Comme ça. Non, non, mais j'ai mis à gauche. J'ai mis à gauche. Ah,
compliqué leur commande avec la gravité inversée, là. Je dis pas c'est cool comme mécanique, mais là... Tu t'y perds plus qu'autre chose. Bon, heureusement qu'il y a des vies sur le chemin, parce que sinon... Hop. Hop. Ok, donc ensuite, il faut faire le tour pour se... Pourquoi il a tournoyé? J'agite... C'est vraiment l'épisode où rien ne coopère. Hein. Sérieusement, il n'y a rien qui coopère. Rien du tout. Ah, la coopération, là, elle est zéro. Zéro, la coopération. C'est moi qui vous le dis. Hein. Bon. Ok, bon, je pense qu'il faut qu'on évite les backflips. De simples sauts suffisent. Genre comme ça. Doucement. De simples sauts suffisent. Ok, attends. Ça. Voilà, puis comme ça, là, comme ça, on... Ah, et voilà, c'est bon, on y est. On y est, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il faut encore qu'on évite des trous d'antimatière, enfin de matière noire. Je dis mon antimatière, mais... Allez. Je prends les escaliers. Et surtout, je prends le champi rouge. Oh, attends. Bowser serait pas juste à côté. Merci, vieux... Oh, ah, doucement. Ouais, c'est bon. Salut, ma grosse! Wesh, cousin! Ah, tu es déjà là. Tu es bien mon ennemi juré, Mario. Mais je vais sur le champ te transformer en déchet galactique. Allez. C'est l'heure du duel. Allez, viens ici. Hop. Et tu commences tout de suite par 3 ondes de choc, mon gros. Eh ben, viens ici. Ah, tu fais ça aussi, d'accord, très bien, écoute, hein. On peut discuter si tu veux. Non. Voilà. Allez, viens ici. Et je t'intercepte sur le retour. Bim! Ah, mais la pièce. Ok, premier coup, c'est fait. Ok, il balance des... Oh, ok, il balance des boules de feu. Ça va, il bombarde bien. Allez, 1, 2, 3 ondes de choc. Donc maintenant, il va essayer de mettre des attaques tourbillon comme ça. Il en a fait 2 tout à l'heure, il devrait en faire une troisième. À moins qu'il saute. Ouais, non. Il va faire 2 phases d'attaque tourbillon, je pense. Hop. Vas-y, saute ici. Je t'intercepte. Passage. Un coup. Donc, faut que je tape 2 fois cette fois. Une fois. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il va encore bombarder en boule de feu. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5 ondes de choc. Donc ensuite, des attaques en tourbillonnant. Bon, tant pis pour le champi, il était là pour ça, de toute façon. Enfin, le problème, c'est qu'il va devoir... Hop, non, j'allais dire les comètes, on le refait avec un point de vie, c'est dans Galaxy 2, ça. Là, tu sautes? Non, tu fais encore une phase... Ici, là. Ah mince, nombre de chocs. C'est-à-dire, est-ce qu'il va refaire une phase d'attaque tourbillon? Non. Allez, tu veux pas sauter ici? Oh. Ouais, non, en fait, il recommence sa phase à 0. Ok. Donc, on va devoir esquiver. 1, 2, 3, 4, 5 ondes de chocs. Ok, tu fais les attaques tourbillon? Non. Putain, mais c'est allongé, Chila! Eh oh, oh. Bah mais putain, dude! Tu veux pas sauter? Ah! Puis, je me suis fait avoir, non mais. Attends, je reprends où? Je reprends où? Dis-moi que je reprends pas juste avant le combat. Ouais, ça va.
C'est vraiment n'importe quoi, hein. Je pense qu'il faut que j'aille me... Le prochain épisode, il faut que je le fasse à tête reposée. Parce que sinon, ça va continuer. Je vais faire une petite pause entre deux épisodes, là. Ce serait bien qu'on puisse passer les cinématiques quand on les a vues une fois, hein. Je veux dire... Tu te répètes, mon grand, hein. Oui, ta gueule, l'avertissement des piles, là. Je les remplace à la fin de l'épisode. C'est bon, t'es pas chier. Ok. Allez, je te chope sur le retour. Boum! Excellent. Maintenant, les boules de feu. Les ondes de choc. Enfin, en fait, je crois qu'il faut juste prendre de la distance quand il veut mettre ses coups de poing. Comme ça. Ah, mais bien sûr, t'as les obstacles de l'arène, quoi. Non. Tu veux pas sauter, s'il te plaît? Genre là. Merci. Ah! Allez, viens là, mon gros. Hop! Allez, je te chope sur le retour. Boum! Bon, là, c'est maintenant qu'il va falloir tenir. On a deux fois plus d'ondes de choc, de boules de feu. Oh, hop, 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 doucement, doucement, doucement. Pièce. Pièce, voilà. Les pièces, c'est la vie. Oh, bah cool! Attends, maintenant, il faut que je le chope. Ouais, c'est bon, un. Et boum! Allez! C'est qui le patron, là? Bitch! 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 Je reconnais bien là mon ennemi juré. Enfin, cette fois, c'est trop tard. Pendant que nous faisions joujou ici, mon plan touche à son but. Dommage pour toi, Mario. Ouais, à boule l'étoile, ma grosse. Yeah, poteau! Enfin, c'est pas poteau, mais... Il donne l'étoile, quoi. Allez. Par ici, la grande étoile. Tu. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle une tâche rondement menée. Et du coup, nous allons ouvrir le cinquième domaine. Alors, est-ce que c'est une nouvelle pièce de la maison? Que je vais faire un nouveau hashtag. Non, parce que si c'est un truc du style, je sais pas moi, entrepôt, je me doute que vous regardez pas cet épisode dans un entrepôt, sauf si vous bossez dans un entrepôt. Cinq dômes sur six sont ouverts. Ok, donc on va aller vraiment vers les sommets de l'observatoire. C'est peut-être le grenier qu'on a ouvert. Vous pensez qu'on va trouver le JDG dedans? Galaxie complète, nouveau record. Une nouvelle galaxie a été découverte. Bon, bah, toutes les galaxies, c'est... Ah, puis encore une galaxie ici, tiens. Attends, on a un SMS, je crois. Nous avons découvert où se trouve celle qui t'est chère. Regarde la plaque à tes pieds. Elle indique la puissance stellaire qui nous manque pour nous rendre au cœur de l'univers. Alors c'est une grande étoile, je préfère préciser. Un peu de puissance nous est rendu chaque fois que tu ramènes une super étoile. Et lorsqu'il aura atteint zéro, l'observatoire de la comète retrouvera ses capacités d'astronef. Et nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers. Ouais. Bon, on va pas s'y rendre tout de suite, on a encore un dôme à faire. Juste comment il s'appelle le dôme que je regarde. L'observatoire de la comète a recouvré toute sa puissance. Nous pouvons nous voyager entre les galaxies. Le moment est enfin venu. Non, on a encore plein de choses à faire. Donc on peut finir le jeu si on veut. Mais attends, il y a 6 dômes, je comprends pas. Ok, bah du coup, il nous reste plus qu'un seul dôme, on ira le voir la prochaine fois. On va s'arrêter ici, les gens. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode
de Mario Galaxy. J'espère que ça vous a plu, quel que soit votre avis. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. On va parler de la chaîne autour de vous, c'est le cœur, vous en dites tout ça, vous le savez. La petite notion de question, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les hashtags associés à ça, je pense qu'il y en aura beaucoup dans cet épisode. Et en attendant, le début de l'exploration d'un prochain dôme dans le prochain épisode. Je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!